Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer une salade César maison qui est à la fois simple et absolument délicieuse. Avec des ingrédients frais et une vinaigrette savoureuse, cette recette facile va devenir un de vos plats favoris. Que vous soyez un amateur de cuisine maison ou simplement à la recherche d'une salade gourmande, cette recette de salade César est faite pour vous. Alors, suivez-moi pour découvrir comment réaliser cette salade classique avec une touche maison. Pour la préparation de cette salade César, nous avons besoin de ces ingrédients. Pour la vinaigrette César, 50 g de parmesan râpé, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillère à soupe de sauce poisson ou sauce anchois, 100 g de yaourt nature, 50 g de mayonnaise, poivre noir fraîchement moulu, une cuillère à soupe de sucre, jus d'un citron. Pour la salade, 2 œufs, une laitue romaine coupée en 4 morceaux longs, 4 tranches de pain toast coupées en 4 morceaux longs, 200 g de bœuf grillé et coupé en morceaux carrés, parmesan en morceaux pour saupoudrer. Pour la préparation, suivez les étapes suivantes. D'abord, commencez par la préparation de la vinaigrette César. Dans un bol, mélangez 50 g de parmesan râpé, 2 gousses d'ail écrasées, une cuillère à soupe de sauce poisson ou la sauce à anchois. Vous pouvez la remplacer par des petits morceaux d'anchois. Ajoutez 100 g de yaourt nature, 50 g de mayonnaise et du poivre noir fraîchement moulu et mélangez bien. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sucre et le jus d'un citron. Mélangez bien jusqu'à obtenir une sauce homogène. Passons maintenant à la préparation des ingrédients de la salade. Coupez la laitue romaine en 4 morceaux longs. Faites bouillir 2 œufs pendant 8 minutes, puis mettez-les dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Faites cuire le bœuf dans une poêle jusqu'à ce qu'il soit bien grillé, puis coupez-le en morceaux carrés. Coupez le pain en 4 morceaux longs et faites-le griller dans une poêle à feu moyen jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant. Assemblage de la salade César. Disposez la laitue romaine, les œufs, le pain grillé et la viande grillée dans une assiette. Ajoutez la vinaigrette César par-dessus et mélangez légèrement. Saupoudrez des morceaux de parmesan pour terminer. Et voilà, votre salade César maison est prête. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes. Partagez également vos créations en commentaire, ça me ferait plaisir de savoir comment vous avez réussi votre salade César. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Bon appétit !